Bon, ok. La reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, c'est bien. Je serai reconnu, c'est pas le problème. Mais ça va se savoir, ça va fuiter, c'est sûr. Une fois que c'est signé, c'est fait. Je suis officiellement handicapée. Alors du coup, ça veut dire quoi après? On va aménager mes missions? On va me réorienter? Je vais gagner moins? Oula, c'est bien chargé tout ça. Y a quelqu'un là-dessous? Vous savez, autant c'est normal de se poser toutes ces questions, autant je ne pense pas qu'on vous collera toutes ces étiquettes. Ah oui? Avec votre dossier RQTH, ce qui est sûr, c'est que votre situation au travail sera améliorée, car votre handicap sera bien pris en compte et des aménagements seront réalisés en conséquence. Par contre, la RQTH n'est pas une étiquette collée à votre visage. C'est une reconnaissance administrative qui vous appartient et vous ne la signalez que si vous le souhaitez et à qui vous le souhaitez. Alors retirons donc ces étiquettes-là, voilà. Parfait. Et puis remplaçons-les avec... Voyons voir. Tac, là aussi. Ben voilà, c'est mieux comme ça, non? Quoi? Vous m'en avez rajouté? Je peux voir? Y'a quoi? C'est marqué quoi dessus? Y'a quelqu'un?